Bonsoir à tous. Ce tirage général, il y a deux choix pour ce message. Ça parle mois de juillet. Alors, message pour votre mois de juillet, comment se passe? Qu'est-ce que vous voulez savoir mois de juillet? Et choisir la carte qu'elle parle pour vous, l'oracle. L'oracle de triade. Et l'oracle de miroir. Si vous voulez arrêter la vidéo, peut-être voir un petit peu plus. Après, je complète pour l'oracle des anges. On verra pour mois de juillet, qu'est-ce qu'il parle pour vous, qu'est-ce qui a changé pour vous, qu'est-ce qui est nouvelle, bonne nouvelle pour vous. J'espère les bonnes nouvelles. Alors, juillet. Mois de juillet, les messages pour mois de juillet. Alors, ça sortait de larmes, soit un procès que vous êtes en gagner, soit une bataille, soit un conflit avec quelqu'un, soit les colères, ou soit vous êtes besoin armez-vous contre quelqu'un ou contre une situation. Alors, mois de juillet, ouais, il y a l'horreur. Soit l'horreur que vous êtes fait, soit c'est quelqu'un, soit vous sentez la culpabilité de quelque chose. On verra avec là. Alors, si vous êtes un problème avec quelqu'un, un conflit, il y a quelque chose qui est venu dans l'ordre. Vous êtes peut-être gagné un procès ou un problème réglé avec une personne. Alors, pour mois de juillet. À une femme, c'est vous, si vous êtes une femme ou soit une femme proche de vous. Alors, nouvelle, quelque chose par écrire, soit vous restez un indiquement, soit une séparation, si vous êtes demandé séparation, soit quelque chose avec la tribunal, ou soit un message, soit une nouvelle par écrire. L'horreur que vous êtes fait, peut-être c'était, vous n'êtes pas protégé, vous êtes, malgré vos sentiers, peut-être la culpabilité, vous êtes fait laisser quelqu'un partir, ou soit séparer avec quelqu'un, sans réfléchir, ou sans réfléchir dans cette situation, peut-être c'est l'horreur que vous êtes fait, besoin de protéger vous, peut-être protéger contre. L'horreur ou contre une décision. Vous prenez une décision, peut-être c'est pas bonne pour vous, c'est pas bonne pour l'autre personne. Si vous êtes demandé séparation ou divorce, c'est peut-être c'est ça l'horreur que vous êtes fait, ou soit c'est quelqu'un qui a pris la séparation, qui a demandé séparation. Si c'est pas vous, c'est la personne qui est dans votre cœur, qui peut-être elle a envie de se séparer ou partir, ou il a parti, ou que vous sentez peut-être blessé, ou vous êtes senti souffert, quelqu'un qui a parti, vous êtes peut-être, vous commencez à protéger vous. Vous êtes une personne, il y a une sagesse, vous prenez la sagesse, l'expérience que vous êtes pris et ça va venir dans l'ordre des problèmes avec une personne. Si vous êtes douté beaucoup, une femme qui doute beaucoup dans votre relation ou soit dans votre choix. Les choix que vous êtes pris, c'était peut-être radical que vous êtes pris cette décision. Soit séparation, soit divorce. C'est peut-être pour ça que vous doutez. Est-ce que vous êtes pris les bonnes décisions? Ouais, vous êtes isolé de monde pour pas communiquer ou peut-être régler à ce problème parce que vous êtes pris peut-être une mauvaise décision. Ou soit c'est les personnes qui étaient dans votre cœur, elle a pris les décisions rapidement et peut-être elle est éloignée ou est isolée, peut-être elle protège, c'est quelqu'un qu'elle protège pour pas faire l'erreur ou prendre peut-être cette décision de séparation définitive ou les divorces. Mais il y a quelque chose, ça va venir dans l'ordre. Parce que vous commencez à voir à clair et vous commencez à étudier les situations et vous réfléchir pour votre vie amoureuse.
Yann aura une site pour sortir les doutes, pour sortir les conflits, pour sortir les problèmes. Cette personne, elle a fait peut-être une erreur, elle a pris des décisions, elle a éloigné de vous, ou elle a demandé séparation de quelqu'un qu'elle n'était pas pris les bonnes décisions. Je vois quelqu'un qu'elle commence à avoir vraiment une décision à prendre. Alors, on va voir avec cet oracle pour le premier choix. Alors, qu'est-ce que le message soit là, ça parle vraiment sentimental que je vois ici. Soit vous protégez vos contraintes à justice, soit c'est l'erreur que vous êtes fait, soit peut-être amoureuse ou professionnelle. Égal à cette situation, ça va régler parce qu'il y a une réussite. Vous gagnez ce procès ou cette situation, ça va changer. Vous sortez la doute, les doutes. Alors, voir avec les cartes votre vie amoureuse, vous trouvez la paix. Quelque chose que vous êtes changé. Il y a une communication, il y a une réussite. Encore là, les couronnes, vous réussissez à régler ce problème. C'est une femme qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un qui a été prendre cette décision. Peut-être juste prendre cette décision, peut-être pas peur de prendre cette décision, soit si vous êtes dans le passé, vous n'êtes pas confiance, prendre les décisions qui vous aident beaucoup les doutes. Et une progression dans votre vie amoureuse, le premier choix. Et il y a l'harmonie dans votre relation amoureuse que je vois. Il y a une réalisation, peut-être un équilibre dans votre vie amoureuse ou dans le couple. Si vous êtes marié ou vous voulez séparer, vous êtes peut-être rangé. Et les choses, ça va venir dans l'ordre et une réussite. Mais pour moi, je vois une réussite pour le premier sentimental. Alors, je tire encore les cartes pour vous. Pour le premier. Vous êtes prêts, beaucoup de temps, médité, calme, l'esprit, hein, la paix. Vous trouvez la paix pour cette décision. Il y a tout et il y a de l'ordre. Vous êtes éveillé à un nouvel départ avec cette personne. Nouvel contact. Alors, faire confiance à cette personne. C'est à cette personne qu'elle demande à un engagement, soit un pardon, soit un retour. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre la confiance à cette personne. C'est quelqu'un qui retourne dans le passé. C'est quelqu'un qui est prêt à commencer à zéro avec vous. Acceptez cette personne qu'elle entre dans votre vie nouveau ou donnez une chance. Si vous n'êtes pas prêt tout de suite à prendre cette décision, prenez le temps, méditez, trouvez la paix. L'amour, c'est comme l'amour, comme une chance pour vous. Que vous gagnez cet amour, cette confiance à cette personne, qu'il retourne si la perdez, vous êtes perdu la bataille ou perdu la confiance à cette personne, c'est une chance donnée à cette personne. Et c'est une réussite dans votre vie amoureuse avec cette personne. Le premier, alors, je vois comme ça. Je donne un conseil pour vous, un message pour vous, qu'est-ce que vous voulez changer. Là, vous ne restez pas dans le passé, vous devez avoir encore pensé à l'avenir et vivre l'instant présent. Peut-être vous êtes trop dans le passé, que vous êtes encore dans le passé, besoin de libérer le passé, prenez l'air, inspiration, besoin de méditer, besoin de libérer les tristesses ou les colères. Et pour moi, il y a une nouvelle naissance avec cette personne. Soyez confiants, il y a une réussite dans votre vie amoureuse. Voilà le premier. On passe le deuxième choix. Alors, j'espère que ça va parler pour vous. Le deuxième choix. Pour tous les deux, s'il ne parle pas le premier, peut-être, si vous êtes bien écouté votre intuition, vous choisissez la bonne carte pour vous, ou quel oracle qu'il parle pour vous. Alors, message pour le deuxième choix, pour moi, juillet. Un homme qui est sorti, et les amis, les enfants, les métiers,
Vous êtes dans un carrefour, besoin de prendre une décision, quelle direction? C'est tout possible, il y a beaucoup de choix. C'est un cadeau. Bon, c'est un cadeau. Un cadeau, c'est bientôt peut-être le mois de juin, une fête ou un cadeau, quelqu'un il amène un cadeau. Et c'est positif. Un homme qui est distant de vous, peut-être cette personne qu'elle vient à la maison, il y a un changement de peut-être les villes, ou changement de maison, changement si vous êtes on veut à changer votre maison, peut-être acheter une maison, ou soit aller à la ville si vous êtes dans la campagne. Les décisions, c'est positif. Vous prenez cette décision de changement de saison. À partir comment c'est chaud et comment c'est mois de juillet, ça a un changement pour vous. Il y a quelqu'un qui le contacte, qui amène un cadeau, soit il voit un message, une déclaration amoureuse. Peut-être c'est quelqu'un qui était distant longtemps. Qu'il y a quelqu'un qui le protège, qu'elle était peut-être peur de cette relation, ou soit elle a peur de contacter parce qu'il a longtemps qu'il n'a pas contacté. Alors attention de jalousie à une tierce personne. C'est l'amitié que vous êtes avec quelqu'un, soit les amis, soit quelqu'un dans votre entourage jalouse de votre vie amoureuse, ou il est jalouse dans votre foyer ou familial. Attention. Des jalousies pour pas faire les problèmes dans votre couple. Alors, les changements, les carrefours, les décisions, les choix, c'est le travail que vous faites les choix. Il y a un changement de travail si vous n'êtes pas encore changé de travail, il y a un changement de travail. Les cadeaux que vous recevez, vraiment un cadeau, univers, elle protège. Il y a vraiment cette carte, ça protège tous les domaines, soit professionnel, sentimental. C'est malgré y a quelqu'un jalouse de votre ami, jalouse de vous, vous ouvrez les yeux. Il y a quelqu'un qui doit fermer cette relation avec cette personne. Et vous voyez cette personne, la vraie visage, vous commencez à voir cette personne. Peut-être dans le passé, vous ne savez pas, elle est jalouse de vous. Alors, peut-être vous fermez cette porte ou cette relation avec cette personne. Soit si vous êtes une personne qui doit prendre cette décision et fermer une relation, beaucoup de jalousie. Et pour peut-être commencer à une nouvelle vie, construire quelque chose, changer votre vie, votre foyer, déménager. Peut-être si vous avez déjà les enfants, déjà un mari, peut-être c'est les jalousies, c'est quelqu'un, un ami ou une personne qu'il connaît dans votre famille, ou soit quelqu'un proche de vous qui est très jalouse dans votre couple. Mais vous offrez les yeux bien. Fermer cette situation parce que c'est quelqu'un qu'elle voit pas le bien pour vous, et attention à votre santé. Et si vous êtes senti fatigué, écoutez-vous. Et si vous sentez l'échec par votre santé ou problème de santé, allez faire une visite médicale. Et pour moi, il y a un changement dans votre énergie, ça va changer. C'est pour peut-être ça cause une jalousie ou les pensées négatives pour vous, vous ne sentez pas bien. Alors, message pour vous général. Au revoir, il y a une formation, besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, soit un conseil qui vous êtes besoin, demander le conseil de quelqu'un. Et vous êtes prêt, les silences. Peut-être vous êtes besoin d'éloigner des gens qui ne sont pas bien pour vous, soit les gens dans votre entourage, les jalousies, les mauvaises langues, les gens qui beaucoup parlent. Libérez-vous, soit si vous êtes malade, pas bien, vous êtes commencé à changer, votre énergie qu'elle change, vous trouvez une liberté, vous êtes protégé. Protégé dans votre relation avec les amis. Si vous doutez un ami, il est jaloux de vous, peut-être vous fermez cette porte à cette personne, vous peut-être le contacter,
vous éloigner et aller seul. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit fermer à la porte cette personne et protéger-vous. Et vous êtes une personne clairvoyante, vous voyez les choses. Vous savez, il y a une personne, vous commencez à voir les choses. Vous commencez à voir, il y a une personne, votre relation est jalouse, ou soit jalouse dans votre travail, ou un collègue, ou soit une personne vraiment, vous pensez toujours comme une amie, elle est jalouse de votre vie amoureuse, ou dans votre vie familiale, ou dans votre couple. Attention, ça, peut-être il y a cette personne que vous commencez à voir clair, parce que votre clairvoyance, plus clair, vous voyez la personne. Le message pour vous, c'est quelqu'un qui parle peut-être derrière vous, soit quelqu'un qui n'est pas honnête. Les clés, vous êtes prêt, vous trouvez une solution pour fermer à deux fois, qui est fermé, peut-être déménager, peut-être vous éloigner ces gens qui sont négatifs pour vous, ou soit si vous êtes fatigué avec les amis comme ça, vous déménagez, vous changez à une maison, peut-être cette maison, elle n'est pas bien pour vous, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas bien dans votre entourage, vous changez les villes, vous changez la maison, vous trouvez une solution. Les clés, c'est, pour moi, c'est les solutions, et soit aussi les clés d'une maison, vous trouvez un logement, vous partir loin, vous voyez? L'ambiance, vous changez l'ambiance, il y a quelque chose avec les gens, votre entourage, besoin de changer les choses pour trouver le plaisir dans votre vie, votre vie amoureuse, il y a un choix à faire. C'est le carrefour, encore deux fois, le choix c'est important. Déménager, changer l'ambiance à la maison pour trouver, protéger votre couple. Par une jalousie ou une personne mauvaise. Un conseil pour vous, des conseils. Alors, cette personne, le changement pour vous, c'est ces changements de vie, c'est possible, changer tout dans votre vie. C'est quelque chose comme un cycle qui change pour vous. Peut-être les déménagements, c'est important pour vous. Et vous êtes peut-être à une progression, à un changement, encore les changements pour vous. Moi, je vois un changement. Vous éloignez des gens négatifs ou les gens que vous n'êtes pas bien avec ces gens, ou soit une maison ou un appartement que vous ne sentez pas bien, doit changer cette maison, trouver l'autre logement. Il y a une solution, trouver l'ambiance de la maison. Peut-être c'est quelque chose, le conflit avec les gens qui, votre entourage ou les amis, a besoin peut-être changer l'ambiance à votre foyer, changer. Et ça, c'est peut-être l'ambiance, il n'est pas bien dans cette maison, ou soit dans cette ville que vous habitez. Alors, il y a les gens qui sont, votre entourage n'est pas bien. Et ça fait beaucoup de conflits. Vous ne sentez pas bien. Et pour vous, c'est le changement de cycle. Il y a un changement de vie et changement de cycle dans votre travail, dans votre amour. C'est quelqu'un distant qu'il retourne. C'est le métier que vous êtes, les amis, peut-être vous coupez avec les gens négatifs. Vous prenez soin de votre santé. Prenez le plaisir à la vie, prenez une solution ou peut-être un changement, c'est positif pour vous. Voilà, c'est le deuxième choix, j'espère que ça va parler pour vous. À bientôt, mes amis, au revoir.